Tout le monde, bonjour à toutes et à tous, c'est Jo Dream, c'est parti pour un petit live tranquille sur Stardew Valley. Au départ, je sais pas du tout à quoi jouer. Puis je me suis dit, oh, je vais faire comme hier soir, faire le petit jeu à la con d'hier soir. Puis je me dis, mais non, dans les jeux pépé, il y a Stardew Valley. Donc voilà, et vous êtes tout plein. Vivi, tu viens de donner la mienne demain. Demain, malheureusement, j'ai un truc de prévu. Je vais conduire avec le papa d'Indara, parce qu'il faut vraiment que j'aille vite mon permis. Donc, vu que je pense à travailler dans 15 jours, plus ou moins. Donc, bah voilà. Et que je suis loin de l'avoir. Donc, voilà, il faut vraiment que je conduise. Donc, voilà, j'ai pas le choix parce que le papa d'Indra reprend le travail lundi. Donc, voilà. Actuellement, je sens ma chatte et ta mère qui est rentrée dans ma chambre et me regarde bizarrement en mode, c'est pas ma fille. En tout cas, oui, merci à Dragounette77 pour ton follow. Merci aussi à Steffi pour le follow. Oui, non, non, bah, voilà, j'aurais adoré pour le bébé. Mais merci beaucoup, Dragounette. Merci beaucoup. J'aurais adoré venir à la Mia. J'aurais adoré, mais voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas cette année, l'année prochaine. La mère de jeudi. Non, ma mère à moi. Ma mère à moi. Elle est chez elle. Vous êtes un bon petit paquet de gens là ce soir. Il y a Ines Joy, il y a Utsari, il y a Stéphie, il y a Alexia, il y a Dragounette, il y a Michael Titeuf. J'ai vu passer Pâtissage aussi tout à l'heure dans le chat. Il y a Sweetie. Vous êtes un bon petit paquet, il me semble. Il y a Nico aussi, il y a Nilopa. J'ai un petit peu, je remonte, il y a Anastéo, il y a Amos Nebus, enfin, ouais, toute une petite bande. Ça me fait super plaisir de vous voir tous ce soir, de vous avoir tous ce soir. DJ Jody au platine, lol. Solo de guitare, mais Amos qui commence. Erika, salut Erika. Amos qui commence, solo de guitare. Et le pire, c'est que j'ai une guitare, hein. J'ai une guitare chez moi, mais... Coucou Lilia, mais j'ai pas le temps de jouer. Oui, je vais me démuter Discord, je vais me démuter sur Discord. Nico, t'inquiète pas. C'est ça que j'avais oublié, Nico. Je t'avais oublié, Nico, je suis désolée. Ah, mince, il y a ma fille qui se réveille, il y a une drague qui va mettre la sucette. Bon, c'est des choses qui doivent arriver. Ça va, Nico, tu vas bien? Ça va, j'ai vu que t'étais déchaînée, toi. Oh bah écoute, moi je mets un petit peu de musique le temps que les abonnés arrivent, hein, et autant mettre de la bonne musique. Hein. Surtout que c'est vraiment une séquence que je recoupe toujours sur YouTube, donc ceux qui viennent voir les lives Twitch, vous voyez les petites séquences, je dis qu'ils s'éclatent un peu. Sympa, mais leur guitare... Oh ouais, mais moi je me lâche, hein, moi les gars, je me lâche. Donc ce que j'ai ce matin, j'ai l'impression de passer une journée avec toi, j'avoue. Oui aussi, je vais en profiter pour en reparler ici. J'en ai parlé sur ma page Facebook, j'en ai parlé sur... j'en ai pas parlé sur Twitter, tiens. J'en ai parlé sur dans l'onglet communauté. Oui, on l'entend, c'est trop chou. Oh non, 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 à 4h du matin, tu trouves pas, ça trop chou, Inès. T'entends jamais, oh non, arrête de pleurer, viens me dormir. Non, tu trouves pas ça mignon. Même si je suis sa mère, je trouve pas ça mignon. Donc, il y a 10 questions, j'ai pris Stardew Valley sur PC, mais il y a moyen de jouer en ligne ou c'est juste sur local? Non, tu sais jouer en ligne, tu sais jouer en ligne. Tu sais jouer en ligne, Mickaël, tu sais jouer en ligne, sans problème. Donc, qu'est-ce que j'ai? Oui, donc oui, j'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé dans l'onglet communauté sur YouTube, j'en ai parlé sur Facebook. Donc voilà, vous avez fait... À la force de votre soutien, vous avez fait un petit... comment dire ça? Un petit... allez, comment on appelle ça? Un petit miracle. Plutôt comme ça. Enfin, miracle. Enfin, voilà. Vous avez fait quelque chose de cool. Coucou Elise. En gros, ce matin, j'ai contacté mon partenaire chez All for Addict pour commander quelque chose. À votre avis, qu'est-ce que j'ai commandé? Grâce à vous. Qu'est-ce que j'ai commandé? Moi, je suis sûr que ça commence par ta et ça finit par être. Non. 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 Non, mais c'est quelque chose qui est graphique aussi, j'avoue. Ah, ton autre chose que ça fait longtemps que tu dois avoir. Oui, voilà. Non, pas des t-shirts, non, ça aurait été génial. Non, j'ai enfin pu... Non, pas une tablette, j'ai enfin pu commander... La fameuse, non pas une tablette graphique, non une carte graphique. Ouais, voilà, Lucky Day, une carte graphique. Donc, je devrais la recevoir, donc il devrait la recevoir mardi ou mercredi. Donc, je verrai un petit peu si Indara sait me l'installer. Je sais pas.
On va voir si Nurse me l'a lancé parce que bon, voilà, si j'ai pas envie de laisser mon PC toute une journée là-bas sur le Foral Dict. T'as vu sur YouTube, Elise, ok. Mais bon, merci pour le follow, bienvenue à... C'est Ayushi, merci à toi. Et donc, du coup, voilà, je vais la voir maintenant au niveau des... de la chaîne, qu'est-ce que ça va changer. Bah, déjà d'autres jeux. Il y a des jeux, bah, je pourrais... comme Ark, je suppose que ça passera bien. Pose bien. Des jeux de qualité. Déjà un peu plus... pas qualitatif, non, mais avec un autre style de graphisme, déjà. Parce qu'il y a Ark qui me faisait, mais que j'ai joué et que... j'avais déjà tenté de faire un live dessus, mais c'était vraiment pas... c'était nul en fait, parce que bon voilà. Il y a aussi le vas-y, dis pas. Surtout si t'encodes une partie de ton live avec ta puce graphique ou autre, c'est sûr qu'après avec le jeu qui est gourmand, qui est peut-être pas forcément très bien optimisé, Ça fait même mieux de streamer avec ta carte graphique qu'avec ton processeur, parce que c'est oui, ce qu'on m'a dit, c'est oui. Moins bien avec le processeur. Donc... Et donc du coup, tu vas jouer à quoi de nouveau? Donc il y a Ark que j'aimerais bien faire maintenant, ce cas c'est que je vais terminer d'abord les jeux, enfin pas les jeux que j'ai, mais j'aimerais d'abord un peu avancer, enfin maintenant Stardew Valley, on est quand même bien avancé. Là en fait je vois même qu'on, enfin je vois, là on a même eu le bébé, donc c'est quelques petits trucs, je pense qu'on va me faire encore quelques lives dessus, mais voilà, peut-être encore 2-3 lives, peut-être un maximum je pense. Mais voilà, donc profitez parce que c'est vraiment des lives de Stardew Valley, je pense qu'on va se faire. Enfin non, peut-être pas le dernier, mais voilà, peut-être ouais, 2-3 je pense qu'il reste. Ensuite, aussi au niveau des vidéos, un autre changement c'est que je fais tout le temps mes vidéos en 30 fps, je suis pas en 60 fps parce que moi ça ne dérange pas plus que ça. Du PUBG, je pourrais faire du PUBG ceci si tu veux les kidai, ouais je pourrais faire du PUBG. Donc sinon, maintenant du PUBG ça passait bien avec la carte, maintenant ça laguait quand même un petit peu quand même, on se rappelle, donc je pense que ça ira mieux. Il y avait Agent of Mayhem aussi que je voulais faire, que j'avais eu grâce à un de mes partenaires et j'avais fait un live dessus, ça avait été foireux, enfin voilà. Et le jeu continue d'agir sur YouTube, ouais mais complètement oui, surtout qu'en plus, donc j'ai un autre projet, je vais un peu en parler, allez, j'avais un petit peu teasé sur Instagram, un autre projet que j'ai, j'en profite, désolé les gars, peut-être un petit peu avant de commencer à jouer. Au pire, ceux qui regardent la rediff, ça vous fait chier, vous avancez. S'il te plaît, pour le bébé, ne fais pas comme Auré, ne l'emmène pas à tomber pire line. Écoute, je ne sais pas, peut-être que je vais le faire sans faire exprès. Enfin, je te rassure déjà, je n'emmène pas. Enfin, parfois, ça m'a fait. Ma fille, elle est. Ça l'éclate. Ah bon. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, donc oui, les sous-types, oui, continue de les regarder parce que c'est assez important, parce que j'ai un autre projet. Déjà, en fait, et aussi le fait que j'aime bien changer mon processeur après pour que le PC quand même suive bien. Parce que maintenant, certes, une nouvelle carte graphique, c'est bien. J'en ai parlé avec Aurélien, il m'a dit, ouais, si tu changes d'abord le processeur, puis après la carte graphique, mais bon, voilà, on est sur la carte graphique. Et donc après, je vais un peu reparler avec Gilles, qui s'occupe de mon PC généralement, pour demander, voilà, qu'est-ce que lui me conseille comme processeur pour encore upgrader le PC et lâcher toute la puissance de cette carte graphique, voilà. Donc oui, ceux qui demandent, qui ne savent pas ce que c'est que YouTube, Ayushi, Clarisse, oh oui, Clarisse, je me rappelle de toi, oui, ah, ma poulette, hein, ça fait plaisir de te voir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est YouTube, je vais en reparler ici. Donc c'est un site, en fait, sur lequel, les youtubeurs, enfin les créateurs de contenu sur internet peuvent s'inscrire et vous pouvez leur faire des dons gratuitement. Comment ça fonctionne? Vous allez sur la page YouTube, vous cliquez sur regarder une pub, vous regardez la pub jusqu'au bout, c'est une pub qui dure 30 secondes et une fois que vous avez vu la pub, en fait, c'est validé en fait. Maintenant, il faut vraiment que le site vous dise, voilà, grâce à ça, tu as soutenu jeudi de autant, enfin voilà. Donc vous pouvez regarder, je crois, c'est 4 pubs par jour et donc du coup, voilà, ça aide. Et dites-vous que si tous les gens qui regardent ce live, qui regardent cette vidéo, regardent juste une pub, rendez-vous compte de l'impact que ça donne. Moi, en fait, je vais être très franche avec vous. Hein. Je vais être très franche avec vous. La carte graphique, c'est pas que YouTube qui l'a payé. Il y a les subs aussi, il y a les dons, enfin, il y a quelques trucs que j'ai mis bout à bout pour avoir cette carte graphique. YouTube, quand tu regardes Ito, tu cliques sur mon YouTube et tu vois ce que j'ai depuis le début du mois. Voilà. Si tu cliques sur YouTube, tu vois ce que j'ai depuis le début du mois. Maintenant, ce que vous voyez, les 200 à côté, c'est un goal, c'est un objectif que je mets. Voilà. Faut que je baisse un petit peu, je parle fort quand même. Ah merde, donc faut que je parle plus moins fort parce que j'ai ma fille qui m'entend.
Ça fait dire que j'ai le visage vers le mur et elle est de l'autre côté du mur, donc voilà, faut que je parle un peu moins fort. Voilà. Faut garder une pub, ça me rapporte 5 cents et en fait c'est vraiment un don gratuit que vous faites, donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment nickel, enfin c'est vraiment, je pense, voilà, c'est super pratique et vous ne déboursez pas de vrai argent en fait, c'est juste 30 secondes de votre temps. Voilà, vous dites bah tiens voilà j'ai une vidéo de jeudi, bah tiens voilà merci, hop j'ai bêtement regardé une pub sur YouTube et voilà c'est fait. Quand vous regardez une vidéo, vous regardez une pub sur YouTube ou alors en live quand je blague comme ça, hop, voilà. Donc Ah ça va, c'est moi et ça fait un bail, je suis toujours aussi énergique, j'avais regardé ton live pour ton anniversaire qui t'a décalé, du coup quand j'ai eu le notif j'ai voulu passer un petit coup. Bah ouais il faut venir Yushi, dit ça fait un bail, ça me fait plaisir de te voir franchement. Donc voilà, c'est tout pour Utip. Donc aussi les sous qu'il y avait sur Utip en fait. Donc j'avais ma page Utip au mois de juin, juillet, si je me souviens bien. Ou je ne sais plus, j'ai un doute, non. Non, je l'ai plus tôt que ça. Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, ben. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui n'aime? Qu'est-ce qui t'a fait? C'est pour PG. Merci, qui n'aime. Pour ton don, c'est super gentil. C'est super. Qu'est-ce qu'il me dit, Nico? Qu'est-ce que tu m'envoies, Nico? Oh, c'est ce que je pense, Nico? C'est ce que tu penses et c'était pour te spoiler un petit peu et puis te vendre du rêve. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je pète. Voilà. Bon, j'ai fait un truc à la cam, c'est pas grave, Nico, tu n'auras rien vu. C'est très bien. Non, avec le décalage. Oui, complètement. Ça m'a vendu. Bon, je vais pas vous dire plus. Donc voilà, donc Utip, qu'est-ce que je disais quand, parce que Nico il m'en fait des trucs là et après je perds le fil de ce dont je parlais. C'est moi qui te perturbe. Bah oui, tu me perturbes. Bah oui, tu m'as perturbé. Donc j'en étais où? Je sais plus où j'en étais. Ah, voilà, c'est fait, je sais plus où j'en étais. Tu parlais d'Utip et que tu avais dit que en gros il y avait pas que Utip qui avait participé à. Oui, il y a les subs, il y a les dons, enfin voilà, vous avez, il y a vraiment plein de choses que j'ai mis bout à bout. Il y a aussi Vinted, les ventes que j'ai fait sur Vinted. Pour ceux qui disent ouais mais je dis t'avais fait Donation Goal sur tes streams pour la carte graphique il y a un an ou deux. C'était il y a un an et demi même, je dirais. Je sais plus. Bon. Voilà. En gros ce qui s'est passé c'est que ben on avait réussi à atteindre le goal. Puis après ce qui s'est passé c'est que les cartes graphiques ont monté en flèche à cause du farming de Bitcoin. Et donc je me suis dit bon bah c'est mort, et donc du coup ce qu'il y a c'est que les sous que j'avais récoltés je les ai utilisés pour le site en fait, pour payer mon site internet. Voilà, comme ça vous savez tout. Et je me dis bon je vais pas redemander des sous, je vais pas encore leur demander des dons, donc je vais économiser avec les sous de YouTube, avec les subs et tout ça, et on va y arriver, et on y est arrivé. Donc voilà. Donc Jody pompe l'argent, elle pompe l'argent de tout le monde, mais vous le savez pas, elle regarde toutes les pubs de tout le monde, faites attention à vous. T'es con, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Donc les prochains investissements, ce seront pour le PC, ça sera un nouveau processeur, voilà, pour continuer dans la lancée de on upgrade un peu la bécane. Et pour acheter toute la puissance du PC. Et autre projet, et là je réfléchis encore un peu de comment je vais mettre ça en place. J'aimerais bien en fait, bon il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais j'aime beaucoup dessiner. Et j'aimerais bien en fait faire des live dessins, en fait. Faire des lives où je dessine, on papote, voilà, un peu comme on fait là maintenant, mais là, sauf que je dessinerai en fait. Et donc j'aimerais aussi refaire moi-même tous les graphismes de ma chaîne, donc refaire la Jolly Dreams, refaire des petites chibis et tout ça, donc... Enfin voilà, merci Ito, c'est super gentil d'avoir regardé une pub, merci beaucoup. Pour les points, je sais pas ce que ce sera les points qu'ils vont mettre en place sur Utip, je crois qu'il y aura un genre de jeu de rôle sur Utip, je pense qu'ils pensaient faire avec les points, je ne en sais pas plus, voilà, je sais pas plus. Donc, j'aimerais bien m'acheter donc une tablette graphique, donc quelque chose avec laquelle ben, je pourrais dessiner, donc, et donc vous filmer ça, voilà, vous puissiez vraiment voir ce que je fais à l'écran. Oh, c'est une super idée, c'est moi ou il y a un pingouin? Ouais, il y a un pingouin qui est là, Inès, il y a un pingouin qui est là. Ouais, ouais. Donc voilà, faire ça, et donc j'ai quelques idées avec cette tablette que je peux, donc déjà des live dessins. Et en fait, c'est là que là je me dis, où je suis encore en réflexion, j'aimerais bien faire une boutique de t-shirts en fait. Tu en avais pas déjà eu à l'époque? Ouais, mais t'as juste les logos de la chaîne, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est des choses... Avec mes propres designs à moi. Et je vais vous montrer deux trucs que j'ai déjà dessinés en fait, en crayon ou à marqueur,
que j'ai déjà fait. Donc il y a un t-shirt avec un énorme pénis dessus. Il y en a un avec un pénis dessus. Il y en a un avec un pénis dessus, effectivement. Ah bon ? Sérieux ? Oui. Il est discret, mais il y en a un dessus. Donc, et c'est en fait, une aubergine. Et rester... Non, c'est même pas une aubergine. Et rester un peu dans mon côté, un peu de ce que je prône, de la déconne et du body positivisme. Je vais vous montrer le premier dessin que j'ai fait. Ça, c'est côté déconne. Voilà. Voir ça sur un t-shirt ou un mug. Enfin, voilà. C'est moi qui l'ai dessiné. Je tiens à le préciser. Voilà, comme ça, vous me voyez. Oh ! Voilà, faire un truc comme ça. C'est sympa. Merci. Et donc l'autre truc en fait, là c'est un peu plus, ça c'est le côté body positivisme et voilà, j'ai eu quelques idées, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, voilà. My body, my business. Voilà. Oh, c'est classe. Et le pénis, bon, il est très discret, hein, voilà, mais c'est pour aussi dire que bah voilà, y a pas que les meufs qui sont touchées par ça et voilà. Je le vois même pas. Le Y. Oh, d'accord. Ah, en effet. Mais c'est une très bonne idée. Voilà. Donc j'avais envie de faire une boutique de t-shirt comme ça en fait, pas juste Jody Dreams ou juste les chibis comme bah, ça existe déjà. Non, bah, la boutique de t-shirt, c'est vrai que je la mets pas du tout en avant alors que bah, elle existe toujours. Hein, maintenant, faut dire aussi que bah, les sous qu'on gagne dessus, donc c'est pareil en Poussin qui a fait les graphismes et moi. Mais voilà, j'ai vraiment envie de pousser le concept genre plus loin en fait, et de faire vraiment des créations originales moi-même en fait. Et bah, y mettre un peu, pas juste bah, écrire Jody Dreams sur un t-shirt, mais je veux vraiment véhiculer des idées en fait. Et vous dire, bah voilà, je sais que. Enfin, j'aurais même bien fait des t-shirts un peu LGBT, et voilà, que le jour où quelqu'un va faire son coming out, s'il sait que quelqu'un va. Maintenant, c'est juste une idée comme ça, hein, parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça d'aborder ce thème. Mais. C'est que bah, voilà, il y a le tonton qui est complètement homophobe, voilà, qui est un t-shirt genre bah, je t'emmerde, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, voilà, dire bah voilà, je suis comme je suis et je t'emmerde, bah, voilà, voilà, c'est dans l'idée en fait de rester vraiment que vous aider en fait à vous assumer en fait avec des messages dessus, et voilà, je sais pas si vous voyez l'idée où je veux en venir, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est super niveau qualité et durée d'envoi sur Cutty Spring. Pour le moment, je regarde en fait. Je pensais utiliser peut-être Redbubble. J'ai une boutique Redbubble. Pour le moment, c'est les choses sont en vente sur Spreadshirt, les miens. Je sais pas si j'ai le truc. LGBT, que signifie ce terme ? Désolé, je débarque. LGBT, c'est. Je sais plus les trucs. Lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersex. Voilà, merci beaucoup. Et après, il y a le plus. Il y a le plus qui. Voilà, il y a tout. Donc, tu passes un beau message. Mais oui, voilà, c'est vraiment le but en fait, c'est de passer des messages, vous aider à vous assumer via des t-shirts en fait, via un style, parce que c'est vraiment un t-shirt, je pense, très basique, très avec juste un message dessus en fait. J'ai pas vraiment envie d'aller dans les trucs trop travaillés. Enfin voilà. Tout simplement, voilà l'idée que j'ai à faire avec cette tablette. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi bon, en tout cas, c'est quelque chose qui me tente depuis quelques semaines en fait. Et voilà, j'en ai parlé avec Inda, c'est pas une mauvaise idée. Mais comment déjà peut-être par dessiner tes designs sur au crayon. Donc voilà, j'ai déjà fait deux projets là que. Bah, et on va voir un petit peu où ça mène. Et donc bah, voilà, donc si vous voulez encore contribuer à un super projet, bah voilà, vous gagnez des pubs sur Utip. Et les sous seront bah, soit pour un processeur, soit pour la tablette graphique. Donc voilà, il y a deux choses. On a deux goals pour le moment. Voilà, si je puis dire. Puis ça se confirme. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc j'ai depuis ma naissance, ok. Ah. D'accord. Bon, je pense avoir raconté tout ce que je voulais raconter. Sinon j'ai encore une autre idée avec la tablette, mais... Là, voilà, ça serait un truc... je vais pas trop en parler parce que ça concerne pas du tout YouTube, donc voilà, ça serait un petit peu à voir. Bon. Oh mais les gars, comme vous vous moquez de Ito, là, soyez gentils avec lui. Il est sympa, Ito. Le pauvre, laissez-le. Tout le monde ne peut pas tout savoir sur tout, hein. Moi, il y a plein de choses que je sais pas non plus, hein, donc voilà. Maintenant, bon, je vois bien que c'est quand même bon enfant, mais bon, voilà, le pauvre, laissez-le. Bon. Hop. Dans les petits de chibi de 4 ans, je ne sais pas, les chibis, j'utilise toujours les chibis, hein, dans mes vidéos, il y a toujours les petites têtes de chibis. Mais voilà, j'aimerais bien faire mes propres chibis, en fait. Vraiment avoir, que ce soit Jody Dreams de A à Z, en fait, voilà. Même si j'aime beaucoup ce que Poussin a fait, il a beaucoup de talent, d'ailleurs je vous le recommande, mais d'ailleurs est-ce que je peux peut-être vous mettre le lien de Poussin, peut-être, hop. J'ai mis ça. Ouais voilà, comme ça vous avez la page Facebook de mon graphiste,
du graphisme, donc celui qui a fait le logo, pas Lin China qui a fait les autres, les dessins, bon, vraiment les dessins de... Voilà. Donc, hop, je vais démarrer Stardew Valley, je vais juste mettre la pause. Ah oui, tiens, Dani, ça te dirait pas de Stardew Valley, toi qui mets les jeux de farm? Eh ben, je sais pas du tout. Faut que t'es... En même temps, j'en profite pour regarder ton live pour voir ce que ça donne, puisque derrière, je suis en train de continuer à faire toutes les updates du PC, puisque j'ai passé facilement 6 heures hier soir à le faire. Des updates, c'est-à-dire qu'est-ce que t'as? Parce que oui, j'ai entendu dans ton live t'en parler. D'ailleurs, j'ai quitté ton live un petit peu précipitamment parce que j'étais disons que j'ai fait péter la CB. Oh. Et que j'ai un matos à 800-900 euros maintenant. Je me la pète. Je me suis acheté un PC du coup. Vrai. Bah non, mais c'est bien, t'as raison. Enfin, avec nouveau processeur, nouvelle carte graphique. T'as une quoi comme carte graphique du coup? Et tout. Oula. Alors je crois que c'est une MSI. Ah oui, non, moi c'est pas. Attends, je te dis tout de suite. La carte graphique, enfin le processeur, c'est AMD Ryzen 3 2200 Giga Radeon Vega graphique. Bon, c'est une AMD. Ouais, ouais, bah ouais. Et au niveau de la carte graphique, je sais plus trop ce que c'est. Moi, la carte graphique, c'est donc là, celle que j'ai commandée moi, c'est la RTX 2060 Zotac. Voilà, comme ça, vous avez tout. Elle a coûté 400 balles. Juste la carte graphique, 400 euros, voilà. Je vais mettre deux cartes graphiques. J'ai une AMD Radeon Vega 8 graphique et une Radeon RX 580 série. Bon, c'est mon beau-frère qui a fait le montage du PC et il m'a dit que c'était une des meilleures. Du moment, parce que bien sûr ça va changer d'ici un mois, ce sera fini, elle sera obsolète, mais... Les cartes graphiques, pas si vite en fait. Pas si vite. Ouais. Pas c'est si peut-être vite. Plus les processeurs. Non, mais en général, ouais, au bout de 6 mois, si tu joues à tous les derniers jeux oui, si tu joues tous les derniers, qui sortent, aux alentours des 6 mois, ton PC commence à montrer quelques signes de... Moi je joue à Minecraft et puis voilà. Hein. Ah ouais non, bah, alors c'est bon. Ça me suffit. Hein. Deux, trois petits jeux indés à la con qui tournaient pas avant, qui la tournent super bien. Mais sinon après, les gros jeux c'est sur console. Bah voilà. La PS4 coup, en 4K avec la télé 4K, on va pas se faire chier à payer une carte graphique qui coûte trop cher. Là, j'ai vu le prix des cartes graphiques, il y en a qui montent à 700-800 euros, tu fais prix d'un PC encore, quoi. C'est rien du tout. Hein. T'en as à 1500 balles des cartes graphiques. Hein. Oh putain. Ah ouais, et je parle même pas des nouvelles Titans, hein. Je parle des RTX 2080 Ti, c'est 1200, 1300, même oui, plus. Bien hein. sûr. Donc oui, c'est le prix d'un PC après. Hein. Ah bah complètement. Ouais. Moi, c'est que je mets d'une voiture aussi. C'est que moi je me rappelle mon PC neuf quand je l'ai acheté. Donc à l'époque, il y avait vraiment toutes les bonnes pièces, vraiment dernier cri, je l'avais payé, je crois, 1200-1300 euros mon PC, à l'époque, voilà, ça vous savez. Oui, la musique de Stardew Valley, et là j'aimerais, enfin vraiment que j'envoie un message à Gus pour voir comment est-ce que je peux faire un effet cathédrale, parce que cette musique, on serait dans une église, genre, mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes partis pour, voilà, c'est musique d'intro de Stardew Valley, donc... Bon, dans tous les cas, les amis, on s'était quitté dans Stardew, donc avec un truc assez... J'ai posé mon carnet à dessin, là. Avec un truc assez special, c'est-à-dire que... nous avions un bébé dans le fourneau, si je puis dire. Nous avions un petit bébé dans le fourneau, et je sais pas du tout combien de temps ça met pour que ton personnage accouche. Tu devrais savoir, Jotie, t'en as eu un. C'est 9 mois, voyons, en général. Loul dans Stardew Valley, je parle. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, je suis en couple avec Alex. Oh, il m'a fait mon petit déjeuner. Salut mon amour, je t'ai préparé ton petit déjeuner. Bien chaud. Oh, c'est trop cool. Je lui ai rendu son déjeuner, tiens. En fait, dis donc, merci. Oui. Le chéri, il est plus joli en petite image de dialogue qu'en vrai. En même temps, c'est dommage. T'as vu le style de jeu que c'est. En même temps, c'est voilà. Ça fait un peu penser à du Starbound, mais cette fois-ci en vue du dessus, en fait, et pas juste en 2D. Ah oui, oui, t'es pas le seul à avoir déjà pensé, ouais. Coucou, Papel Dream. Donc, que je mette un petit peu de musique, pausée, voilà. Hop, là. Ça va pas former, je sais pas. Voilà. Donc, t'as réussi à faire un petit bébé. Oui, Élise, mais je sais pas du tout où il est. Donc, je pense que ma perso, en fait, l'a toujours le porte, je vais dire, parce que je vois pas dans le berceau. Donc, ouais, non.
c'est que bah il est pas encore né. Donc mais toi Dani, tu connais pas du tout ce jeu? Pas du tout, de nom uniquement parce que je sais qu'il joue. Oh là là, mais il est trop bien ce jeu. Donc bah, en gros c'est un jeu de bah, de farm en fait. C'est un jeu de farm. En gros bah t'arrives dans une à Pelican Town en fait. Et donc bah tu dois donc tu récupères la ferme de ton grand-père, oui, du grand-père, ouais. Et donc bah le but est de faire prospérer cette ferme parce que bah, t'as une petite maison toute dégueulasse. Et donc bah, au fur et à mesure bah tu as des graines, tu fais tes champs, puis après donc tu les arroses et puis après tu dynamises tes champs avec des petits arrosages automatiques. Alors ça t'as les saisons aussi. Et alors il y a certaines graines qui poussent à certaines saisons plus que enfin voilà. Alors t'as un petit chat aussi d'ailleurs. Hop. Allez bien m'occuper du chat. Dans ce culture c'est très important de s'occuper du chat. Très très important. Oui, je ne le dirai pas pour ceux qui jouent pour ne pas vous spoil, mais voilà, occupez-vous du chat, ça peut être très très lucratif. Donc voilà, vous avez des animaux, donc il y a des vaches, des cochons, des poules, des lapins, des canards. Ensuite, quand vous avancez dans le jeu, bah, vous pouvez débloquer des endroits comme bah, ici. Bah, moi j'ai débloqué la serre, d'ailleurs, hop, je vais récolter les fruits ici qui sont juste trop bien. Ah là, je les ai peints en iridium. Ah, caca. Hop. Voilà. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, voilà, c'est un petit jeu de femme en fait. Mais c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment un jeu qui est très posé. C'est vraiment le jeu, tu vois, qui est cool. Tu vois, le jeu auquel tu joues quand t'es malade, quand t'as la grippe et que t'es pas bien. Je veux un truc, m'occuper un truc, mais je sais pas trop quoi. Ben, ça, c'est parfait. Comme jeu, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi faire là. Puis je me dis, tiens, hop, voilà. Alors, tu peux renommer des animaux et tout. De voir que les cochons sont plus gros que les vaches de profil. J'avoue. Alors moi, ce que passait... ils sont bien gras, hein, des bons jambons. Ah bah ça, là, hey, dis donc. Un bon saucisson, là. Hein. Prêt pour l'été, hein. Attention. Bah là, on est en automne, là, pour le coup. Là, on est en automne. Alors, j'ai de toute façon, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Hein. En février, on a fait un barbecue, nous, alors bon... Pareil, ouais, on a déjà fait aussi chez les parents de mon homme. Ah, c'est par contre, je vais laisser le seau, là. Purée, mais les cochons, là, ils me déterrent plein de... Elle est très dans le vide, ok. Ils me déterrent plein de... Oh, mais... Des truffes, non? Des truffes, ils sont en train de me les chier ou quoi, ouais. Les truffes? Ils y font. Ça c'est fait. Et le petit cabanon ici où j'ai mis plein de machines qui s'occupent de... Ben, de mes affaires, hein, de mes fromages, du vin, parce que tu peux faire du vin. Oh. Et alors, ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu peux avoir des... Donc, lier des amitiés avec des PNJ, et te marier, et faire un bébé. Non, c'est pas avec tous les PNJ, mais avec une bonne partie, en fait. Et donc, chacun, ils ont leur petit côté, leur petit truc, enfin, voilà. Oh, hey. Avec le nouveau PC, j'ai testé un truc tout à l'heure. Quoi? J'ai réinstallé tous les Sims. Ah, mais t'as dû te faire trop plaisir. Eh, je peux jouer avec les graphiques ultimes. Ça c'est bon ça. D'ailleurs, quand tu vois tes Sims pour la première fois en ultime, t'es là en mode oh, il ressemble à ça en vrai. C'est... Il est moche. Wow. Mais tu es moche. Mais c'est qu'il est moche. Ah mais franchement, c'est ça change une vie. Mm. Pour un gamer, un bon PC, ça change une vie. Oh oui. Genre j'ai joué pour la première fois à Minecraft avec des shaders. Sérieux? Ah, pour une première fois de ma vie, mais jouer pas juste pour mettre l'image et faire joli, non, vraiment jouer avec les shaders. Ça c'est bon. Waouh, hein, c'est impressionnant. T'as l'impression que avant t'étais aveugle en fait. Bah c'est ça, t'as l'impression que t'avais une grosse bouse alors que je l'aimais bien mon ancien PC. Il était sympa pour un vieux truc pourri qu'une abrutie m'avait refilé. Lol, oh, comme tu dis ça. Cette gratuité. Oh là là, j'aime. Hashtag balance ton porc. Là, c'est plus balance ta connasse, hein. Sans vouloir être méchante. Oui. Désolée, c'est un peu trash ce que je dis, mais en même temps. Enfin, désolée, oui, voilà, c'est une personne qu'on. Que. Enfin, voilà. On les petits, pas, bougez-vous les oreilles, tu peux faire. Non, on va pas parler. Nous ne portons guerre dans nos cœurs, voilà. On va pas parler d'elle, ça ne sert à rien, c'est débile. Surtout qu'elle n'est pas là pour se défendre, donc voilà. Et du coup. Oui. Ah, d'accord, le temps s'écoule toutes les 10 minutes. Ouais, voilà. Enfin,
Ça, c'est mes sous en dessous. Ça fait 10 minutes par 10 minutes. Une journée, c'est à peu près combien de temps en jeu? Là, il est déjà midi, là. Mais quand tu commences, c'est le matin. Et le système de sauvegarde, en fait, c'est quand tu vas dormir, quand tu dors, quand tu dors le soir. Voilà, d'accord. Tu... Un peu à la Animal Crossing, quoi. Ouais, c'est... non, Animal Crossing, tu vas dormir dans le lit, je crois, pour sauvegarder. Ouais, mais le truc, là, c'est qu'Animal Crossing, le temps, c'est le temps réel. Oui, c'est le temps réel. Voilà. Et donc, mais maintenant, limite, t'auras qu'à aller voir le tout premier live pour voir à quoi ressemblait la ferme. Et là, tu vas comprendre, tu vas te dire, ah oui, quand même, il y a pas mal d'heures de jeu. Il y a pas mal d'heures de jeu. Donc, mais limite, tu t'as ferme Stardew Valley, début, enfin voilà quoi, tu regardes un petit peu. Qu'est-ce que je... Oui, je voulais faire le bébé. Et aussi, je voulais aller dans la mine. Hop, ça. Mon épée. Ah oui. Oui, tu vois. Ah, c'était vide, hein. Ah oui, c'est... Oui. Ah, puis il y avait des arbres et tout. Oh putain, t'as tout construit. C'est pas moi qui les ai fait. C'est pas comme dans Minecraft où tu construis tout toi-même. Hein. Là, tu as un charpentier qui fait tout pour toi, en fait. Oh, mais il faut que t'aies les sous et que tu récoltes les ressources pour les donner et qu'ils puissent le faire. Et alors, ce qui est assez qu'est-ce que j'ai fait de ma pioche, moi? Ce qui est assez cool, en fait, c'est que donc, quand tu peux te lier d'amitié avec les personnages, avec les PNJ. Et oh, c'est bon, chacun, ils ont une histoire différente, en fait. Et c'est pas forcément des histoires super sérieux, super rigolotes. T'en as un qui est alcoolique, t'en as... c'est comme des histoires assez adultes, en fait, je vais même dire. T'en as... Le café, je sais pas ce que je suis avec. J'y vais des bisous. Ok, bisous Nico, merci d'être passé Nico. Bisous. T'as par exemple celui qui est mon mari dans le jeu. Lui au départ, tu vas le détester, mais au final, quand tu vois comment il est, tu vas dire ah ouais, mais ouais, ok, d'accord. Enfin voilà, quoi, tu vas voir un petit peu son... Enfin voilà, c'est lui que les abonnés ont choisi. Hein. Moi j'avais dit, je laisse le choix du petit copain et ils ont choisi celui-là. On va aller dans la mine. Et donc au départ, on va aller dans la mine du désert, les gars. Parce qu'on a comme objectif Donc j'ai comme objectif d'aller au niveau 25 de cette mine et je ne l'ai pas encore fait et c'est une mine qui est très 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 dure. Offrir un cadeau PNJ pour monter. Ouais, tu peux monter des cadeaux. Enfin, tu peux donner des cadeaux au PNJ, donc tu parles avec eux, tu offres des cadeaux, par exemple. Et chaque PNJ aime des choses. Enfin, il y a des choses que chacun aime, mais. Ils ont parfois des choses en commun. Par exemple, mon mari, il aimait bien les coquillages, en fait. Oh. Voilà. Et donc, ce qui est marrant, c'est que j'étais en mode oui, voilà, prends ma moule. Enfin, voilà. T'as compris quoi. Voilà, c'était ce genre de blague à la con que je fous. Enfin, voilà. Ah, puis il y a des bestioles et tu dois attaquer et tout aussi. Mais c'est que dans la mine que tu te fais agresser. Oh. Quand t'es pas dans la mine, c'est posé. Voilà, c'est vraiment posé. Donc moi, mon but est de descendre... Faudrait que je graisse le truc sur... Le serpounet volant, là, tu me saoules. Non, c'est une mine qui est très dure, hein. C'est une mine que tu débloques plus loin dans le jeu, t'auras pas celle-là dès le départ. Mmh. Ça c'est bon ça. Attends, je vais juste faire un petit tour. Voilà, 35 passant. Est-ce qu'on a un petit peu de trucs ici? Non, ça on s'en fout. Non, je me casse. Ouh, si j'ai de l'or, ça c'est bon ça. Je crois que je t'ai pas vu. Voilà. Et je t'ai entendu, hein, toi. Et les mix sont super cool aussi. D'ailleurs, il faut que je les retélécharge. C'est vachement sympa, en tout cas. Ah ouais, non, franchement. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu peux... Enfin, depuis ça peu, a l'air tu, bien tu posé, sais jouer en multi, plus. En plus. Ouais, franchement. Et tu sais jouer en multi depuis peu. Non, c'est encore en bêta, mais voilà. Tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps. Donc voilà, si un jour ça te dit qu'on se fasse du Stardew, mon petit Dany, ça me fera très plaisir. Bah, pourquoi pas, parce qu'il a l'air vachement cool. Et moi, ça fait des grosses barres là-dessus. Hein. Il coûte pas cher en plus. Je crois qu'il a 15, je crois. Et le temps de jeu est juste... Enfin, c'est... Ça fait, t'as des heures de jeu dessus. Moi, j'ai pas encore du tout percé tous les secrets du jeu, alors que je suis déjà assez loin. Mmh. Oh, franchement, il est sexy. Hein. Ah ouais, mais complètement. Bon,
soit pas passé. Je vais essayer de péter les trucs ici. Là, j'essaie de trouver la petite échelle pour descendre. Ah voilà, hop, on y va. Oh non, j'aime pas ces niveaux, la con. Les fantômes à Plagueis DX. Ah d'ailleurs, c'est son anniversaire de Margus. 46 ans, je crois qu'il va avoir. Oh non, des momies, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les momies, elles sont super chiantes. Oh, il est mort, le fantôme. Oh. En gros, j'ai tué un mort. Et comment ça se passe? Allez. Voilà. Le machin qui met 3000 ans à arriver. Attendez, parce que ça me saoule. Ça me saoule, hop, ça. Oh merde, ça l'a juste pas tué en fait. Je crois pas trop, mais comme la mine est assez compliquée comme endroit. Oui, pas de soucis. T'as l'air fatigué, toi. Non, pas. C'est juste que j'ai réactivé le micro au moment où je baillais. Ah. T'es en train de taper à discuter avec monsieur en même temps. D'accord. Voilà. Bon, et quoi, les petites échelles là? Bon, j'ai mangé une noisette. J'espère que ça a bien augmenté ma vie. Ouais, hop, voilà, j'en vais manger une deuxième. Sinon, nous avons le gâteau au chocolat! Ah, voilà, hop. Le gâteau au chocolat, l'aliment le plus troll du jeu, si je puis dire. Enfin, non, il troll pas dans le jeu, mais. Je crois qu'à Mos Nebus, c'est de quoi je parle. Oh. Voilà. Mais vous êtes tout sage là dans le chat. Ah, il y a une petite pierre au bout là. Hop, viens là, toi mon pote. On y va tout de suite. Donc c'est quel niveau? Le défi de qui? Niveau 25 dans la caverne du crâne. Oh, là on est loin du niveau 25. Hein. Là on est au niveau 5, je sais pas si vous voyez. On est nulle part du tout. En fait j'aurais pas dû y aller, j'aurais dû y aller plus tôt. Là je suis déjà beaucoup trop tard. En fait aussi, si tu restes trop longtemps éveillé, ton personnage s'évanouit au bout d'un moment. D'accord. Donc il y a un petit côté Sims quand même là. Il y a un petit côté Sims, ouais. Enfin Sims, c'est pas les Sims qu'on a inventé, mais un petit côté simulation de vie quoi. Ouais, bah oui, complètement. Bah le S par exemple, ça c'est ma jauge de vie et le E c'est ma jauge d'énergie. Et d'accord. Tu peux mourir dans le jeu. Maintenant, tu meurs pas définitivement, la mort n'est pas trop punitive, mais maintenant tu peux perdre des objets par exemple. Pas comme dans la vraie vie quoi. Oui, non. Non, c'est pas connerie. Merci pour le follow et bienvenue à Miss Lilou 12. Merci pour ton follow, Miss. Bienvenue à toi. Voilà. Bon, là, ici, je cherche un petit escalier là, pour descendre, ce serait bien. Allez. Oh là, les gros insectes qui volent, je sais pas si tu vois, celle-là, je peux pas les tuer, par exemple. Ils ont une armure. D'accord. Par contre, là, les gros sèmes, je peux les tuer, mais ils sont super chers parce qu'en fait... Il se coupe en plein de petits. Ouais, un peu à la Minecraft, quoi. Ah merde, ça leur a quasi rien fait. Je pensais au moins que ça allait leur faire mal un peu plus que ça.
très petit, oh là là. Sauf que les salles de Minecraft sont très gentilles à côté. Ouais, bah les tout petites Minecraft, les verts font pas mal du tout. Non, les petits font pas de dégâts. Les tout petits font pas de dégâts. Donc moi je trouve ça trop mignon, du coup j'en garde un à côté de moi. Il l'appelle Slimy et tout. Mais... Non, celui-là, t'as pas envie de les garder près de toi parce qu'ils sont super chiants, ils font mal. Ah ouais, non, là je suis en train de me faire violer là. Non. Oh là là, non, ça pue. Bon, je me casse. Ouf, non. Oh bah voilà. Hop, voilà. Bon, il est 22h quand même, bon c'est pas grave, je vais vite prendre les trucs qui sont autour. Bon, bon allez, je vais pas tenter là parce qu'il est déjà tard. Et le personnage a un cycle jour-nuit ou pas? Oui, il y a un cycle jour-nuit. C'est-à-dire quand il là, fait là, nuit, enfin, il y a le cycle jour-nuit, mais est-ce que le personnage est fatigué quand il commence à être tard? Oui, il peut s'évanouir. D'accord. D'où le fait que je rentre déjà maintenant, parce que le temps que le personnage rentre et tout... Je crois que c'est 2h du matin, il s'évanouit. D'accord. Et aussi un truc, oui, donc le concept d'homosexualité est repris dans le jeu, il me semble. Donc voilà. C'est vrai? Ouais. C'est beau. Ouais. C'est rare les jeux comme ça. Hein. C'est... De plus en plus souvent, mais juste pour faire plaisir, il y en a certains, mais il y en a d'autres où ils le font vraiment par principe et c'est propre. Je me suis fait 33 000 là avec les... Oh ! Ah, c'est les baies ici qui m'ont rapporté la blinde. Oh, trop bien. Et donc, un peu comme dans Animal Crossing, t'as des poissons que tu peux pêcher parce que t'as la pêche aussi. T'as des poissons que tu peux pêcher à certains moments de l'année, du jour, de la nuit, du temps aussi. Parce que t'as la pluie, tout ça. Y a... Ah oui, si t'es en couple avec une personne du même sexe, tu peux adopter un enfant, voilà, qui dit Amos Nebulus. Oh, c'est beau ouais. Ça. Ouais. Ouais, voilà. Pas encore possible en France, mais. Ils sont plus développés dans un jeu vidéo qu'en France. C'est beau ça. Ouais. C'est triste en fait, je trouve. C'est malheureusement, oui, c'est très triste. Mais bon. Je vais chercher les trucs. Oh, du homard. Je crois que j'avais une quête avec du homard. Il fallait que je rapporte homard. Il y avait pas un truc recherche. Homard Agus, ouais. Ah non, c'est une écrevisse! Ah, c'est une écrevisse que j'ai. Bon, c'est pas grave. Je vais juste aller déjà. Non, ça j'en ai besoin. Voilà. J'irai mettre, je pense, des. Ah ouais, j'irai racheter de l'herbe pour les vaches parce qu'elles ont plus rien, les pauvres. Ouf, tout ce que j'ai. J'ai plus de charbon. Là, hop, hop. Voilà. Ensuite, hop, hop. Oh mon dieu, toute cette thune là qui... À profusion là qui se met, qui se fait. Thune à profusion. Hop, on va mettre ça au-dessus, les petites oranges dans les pots pour faire de la confiture, faire de la gelée. Voilà. Ça, on va mettre ça là-dedans. Diamant avec et... Les œufs que j'ai en trop, on va les cuisiner. Ça avec, ça on va vendre. Voilà. Donc. Ah zut, faut que je nourrisse le chat.
Je vends. Ouais, je vends aussi. Et voilà, c'est bien. Oh, les petits cris des canards, c'est trop mignon. Ça, là. Ouais, donc j'avais dit que j'irais faire des œufs sur le plat et en offrir à Alex. Et Alex, regarde, j'ai un cool œuf. Merci, de rien. Hop, 10 œufs là, hop, voilà, ça là. Et le reste, je pense que c'est bon. Et je vais aller ouvrir mes petites géodes. Ça pourrait être bien. On parlait de quoi dans le chat ? Ah ouais, ok, je vois. D'accord. Parce qu'on a Itos qui a voulu parler de l'homosexualité en France. Mm-hmm. J'étais en train de me faire le calcul, j'étais persuadé que c'était 72, mais non, 72 c'est un traité à la con qu'on nous apprend par cœur à l'école. Alors qu'en France, l'homosexualité a été dépénalisée en 91. Sérieux ? Genre même pas 4 ans avant ma naissance. Non, 5 ans, ouais c'est ça, 5 ans. À 5 ans près, j'étais interdit par la loi. Oh c'est beau. Comme tu dis ça. Bon, je reviens, je dois prendre des médicaments. Je t'en prie. Voilà, les petites aubergines qui font plaisir. Et qui vont nous rapporter masse boulasse. Et voilà, ça c'est fait. Non, pas manger le maïs. Hop. Par contre, les trucs là qui traînent sur moi, ça me saoule. Donc ça va voler ici, moi je vous dis. Voilà. Le chat n'en l'a pas donné à boire. Je vais vite aller le faire, ça sera fait. Voilà. En ville, voilà. Il a l'air cool. Oh, mais il est complètement. Oh, regardez! Oh, c'est trop, trop bien! Oh, on n'avait pas vu ça la fois passée! Les petits personnages qui sont dedans, c'est trop bien. Et bah voilà, bah oui c'est vrai qu'on avait fini ça au live précédent, réhabiter tout le centre communautaire. Oh, je suis trop contente. Oh, ça donne trop bien avec tous les PNJ dedans. Oh, c'est trop bien. Oh, ça donne trop bien. Qu'est-ce qui va se dire? Qu'est-ce qui va se dire? Je ne sais pas comment vous avez fait, Lodi, mais ce commentaire n'a jamais été aussi beau. Vous avez rendu, je vais faire une voix un peu vieille, vous avez rendu Pélibre Canville un fier service. Tout le monde au village est ravi. En guise de remerciement, j'aimerais vous remettre le plus grand honneur que l'on puisse recevoir au sein de notre communauté. Le prix Stardew Hero, vous l'avez bien mérité. Oh, j'ai dévoré un sucré sur Steam, trop bien. Le trophée des héros de Stardew. Oh, trop bien. Oh, ça pète. Voix marmonne. Qui est là? Les chiffres d'affaires chutent au son passage de mes clients. Ah, Maurice. Quoi? Tous mes clients ici? Ce n'est pas bon, ça. Quel effet ça fait? Hmm.
Ça n'a pas d'importance. Je ferai un rabais de 75% et tous mes clients reviendront en implorant mon pardon. Tu verras. Non, pas cette fois. Rassemblez-vous, tout le monde. Les gars, je crie pas trop fort parce que j'ai ma fille qui est de l'autre côté du mur. Tu mets la voix de vieux. Bah écoutez, ravi. Je me souviens lorsque j'ai aménagé à Pelicanville. Cet endroit était très animé. Nous avons travaillé ensemble pour améliorer les conditions de vie au village. Il y avait un vrai sens de la communauté ici. Georges, tu sais toujours les mots croisés en buvant un café dans la cuisine communautaire, tu t'en souviens? C'était le bon vieux temps. Émilie, tu as fait cette banderole pour le festival de Stardew Valley. Je me souviens que ça t'a pris des mois de travail pour la faire. C'était très amusant. Willy, moi? Tu te souviens quand ton expérience scientifique avec le crabe est devenue incontrôlable? Je m'en souviens, nous sommes arrivés un matin et l'endroit était infesté de crabes. Mais Gus a sauvé la situation avec une idée brillante, un festin de pinces de crabe pour toute la vallée. Je rêve encore de ce beurre à l'ail. Avez-vous oublié tout ça? Notre communauté est ce qui est... Notre communauté est ce qui rend Pelicanville un endroit unique. Quand Jojo Mart est arrivé en ville, nous avons oublié tout ça. Et maintenant, grâce à Jody, nous avons une seconde chance. Je vous demande de vous joindre à moi pour boycotter Jojo Mart. Nous avons le pouvoir de récupérer notre village et sauver notre communauté. Quitte avec moi! Oh, le vide. Ça fait trop longtemps que je vis ici pour voir ce village tomber en ruine. Tu peux compter sur moi. Moi? Boycott, moi aussi! Plus Jojo, enfin! Je suis fichu! Excellent! Coucou sorcière! Mais il y a du drama en vrai dans ton jeu! Ah oui, il y a du drama! Mais oui, il y a du drama! On a plus entendu parler de Maurice et de ses copains de Jojo Mart. Oh, j'ai fait négliger Jojo Mart? Trop trop bien, je suis trop fière de moi. Je vais un peu aller voir, tiens, en gros, il y a le Jojo Mart, un peu ce qui se passe. Ah oui, je vais passer en même temps ici prendre de l'herbe pour les vaches. L'herbe. Voilà. Je regarde. Oh, trop bien. Ouais, aussi, je devais absolument donc aller ouvrir mes géodes. On va vite aller faire ça, j'irai... après je grimperai voir le Jojo Mart. Hop. Est-ce qu'il est chez lui? Il est chez lui. Hello. Transformer mes géodes. Allez, hop. Oh. Cristal spectral. Ok, ouais. Ah, peut-être des choses à mettre au musée. Ah, j'ai bien l'impression que oui. Pff, les pierres, bon, c'est bon, quoi. Ok. Oh, du cuivre, ok. Oh. Et de l'or, ok. On va vite aller au musée déposer tout ce merdier. Et coucou Nathan, ça mon petit poulet. Je me dis pourquoi tu ne joues pas en multi sur Stardew. Parce que j'aimerais bien au moins une fois avancer quand même assez loin toute seule, voilà. Tout simplement. Hop. Ah super. J'ai tout mis. Voilà. Qu'est-ce que t'as à me donner? Récupérer les récompenses. Chaise en cristal? Oh, j'ai une chaise en cristal. Oh là là. Fairy Note. Bah oui. Oui, oui, oui. Hop, arrêt de bus. Hey, coucou Angel, ça va mon petit poulet, tu vas bien? Ça fait zizir de vous voir. Mais il est très sympa, le jeu, très très.
Tiens, bête question. Si vous deviez me conseiller un bon casque, vu que le mien vient de décéder ce midi, enfin cet après-midi. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme bon casque? Moi, j'ai la marque Corsair. Et il est... Enfin, moi, je le trouve très bien. Enfin, moi, maintenant, c'est mon ami qui me l'a offert. Il m'a coûté... Enfin, il coûtait plus ou moins 100 euros. Voilà. Je suis en train de regarder, ouais, des trucs pas mal. Ah, voilà. Là, il y en a qui te disent des idées de casque dans le chat. Oh. Bon, Allez, 50-70 euros, hein, je mets pas plus. Hein, ouais, voilà. Que j'ai déjà le micro, donc juste en casque, pas un casque micro. Oups. Bêtes seront... Mais non. Quand je les noms que j'ai mis à certains des animaux, Kitsuna, Indaret, mon dieu. Ah bah maintenant moi je pourrais faire Indar, si je veux. Loul. Je peux te traire, petite chèvre. Yay. Voilà. Voilà. J'avais oublié que j'avais appelé une poule Natachat, ok. Coucou Nathan. Oh là là. Ah mince, j'ai laissé mon seau dans mon inventaire. Que je dois le laisser avec les vaches. Bonjour les poules, je vous fais des câlins, je vous fais des câlins, je vous aime, donnez-moi des œufs. Bon, je vais devoir vous laisser, bon live à tous, je vous dis, je t'envoie MP Discord pour le projet dont je t'ai parlé hier, comme ça tu sais. Ok. Ok, ok. Oh mon dieu. Oh l'orgie d'œufs et de plumes de canard et... Oh bordel. Enfin le bretzel, excusez-moi. C'était quoi ce bruit? La cigarette électronique. Ça fait petit... C'est ça. C'est parce que je l'ai mise dans la bouche et que j'ai refermé la bouche dessus. Qu'est-ce qu'il suce encore, ce mec? Qu'est-ce que tu suces encore? Ah bah pas monsieur, il est déjà parti dormir. Oh, il a osé. Ah, faut que j'arrive à trouver un casque mais qui englobe l'oreille, pas qu'il fasse juste un appui avec un coussin dessus. Ah ouais, mais c'est tellement chiant le truc vraiment qui épouse l'oreille, même s'il est grand, je m'en fous. Ça devient érotique là ce que tu racontes. Hein. Oui bon, toujours. Les Turtle Beach, c'est pour ça que j'aimais bien parce qu'ils sont vraiment pas mal. Ils englobent bien l'oreille en fait. Ils sont vachement abordables en fait.
J'arrive pas du tout à dire le prix de la turtle. J'ai laissé mon seau dans ma poche, comme une conne. J'ai rangé l'herbe là-dedans, bien sûr, tout va bien, je dis. J'ai une truffe qui se promène, on va aller la rechercher. Hop. Ouais, bah ouais, Ito, c'est comme, ouais, comme dit Ito, ouais, c'est un peu light, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est mon portefeuille qui est un peu light ce mois-ci. Ouais, surtout si c'est pas un PC, le. Bah, c'est ça, c'est. Le PC, plus tout le. Tout, toutes les conneries qu'il y a à payer derrière. Bon, je crois que le mois où t'as l'impression d'avoir le moins d'argent, c'est le mois de décembre. Oui. T'as tellement de conneries à payer. Ouais, on est d'accord. Moi, ça va, cette année, ils m'ont foutu la paix avec les cadeaux de Noël. Oh, moi, cette année, j'ai fait comme d'hab. Léger, mais sympa. Comme j'ai accouché en décembre, en fait, ils savaient bien que j'avais un peu autre chose à foutre que de faire des cadeaux de Noël. Donc, astuce, mesdames, si vous ne voulez pas payer de cadeaux de Noël, soyez enceinte. Voilà. On vous foutra la paix. Voilà. Non, j'en avais quand même fait quelques-uns que j'avais achetés avant d'accoucher. Mais quoi, ma perso... Ça me perturbe de part de bébé, là, sur... Attendez, je vais aller voir un peu Stardew Valley, bébé, hop. Stardew Valley bébé, hop. Donc les enfants dans Stardew Valley, le joueur est capable d'avoir des enfants après avoir augmenté sa maison pour la deuxième, dernière fois, et s'il est marié, si le joueur est marié à le même sexe, vous pouvez avoir deux enfants, oui. Bon. Donc si vous maintenez une bonne relation avec votre conjoint d'icœur, parce que vous avez la nursery, que vous êtes marié depuis au moins 7 jours, vous avez une chance de 5% que votre conjoint vous demande si vous voulez avoir un enfant. Si vous acceptez, votre bébé sera né 14 jours. Après 14 jours, après ok, donc dans 14 jours. Enfin maintenant moins, mais donc dans 12. Donc, je crois qu'il reste 12 jours du coup. Oh ticket la fertilissime dans les Sims, hein, pour le coup. 14 jours. Oh là là. Ah ouais, non. Ma mosque a mis, non, c'est 4-5 jours, bah non, même pas. C'est ce que j'ai vu sur le wiki. Ma mosque, eh oui, c'est ce que j'ai vu sur le wiki. Mon pointeur est où? Ah, il est là, voilà. C'est quoi ce bordel? Ok, d'accord. Ok, donc je fais le point de ma souris, tout va bien. Où est-ce qu'il est, le mari, là? Ah, j'ai un truc ici. Ah, j'ai mes animaux qui sortent pour prendre l'air. Le magasin général de Pierre est maintenant ouvert 7 jours sur 7. Ah, trop bien! Ça, c'est bien, c'est un truc à acheter. Comment tu fais? J'espère que le cadeau que je t'ai envoyé te plaît. Au revoir. Ok, merci. Oh là, ah oui. J'ai fait une sorte de commentaire, donc du coup, ils sont tous, ils m'aiment tous. Attention, est-ce que quelqu'un aurait des piles? La team écran de vision est morte, c'est très pénible. Ok, voilà, hop. Je crois que j'ai des piles. Voilà, j'en ai une. Voilà, pam, j'ai une pile pour toi. Je n'aime pas Amazon. Pourquoi? Il vient de me proposer en top objet à prendre pour moi un électrostimulateur musculaire. Non, vraiment. Je suis très bien comme je suis, hein. Voilà. Le body positivisme. Voilà. It's me. Oh! Je viens de m'éclater là-bas. Là-bas, oui. Là-bas.
Suggestion de micro. Moi, j'ai le beurre du M1 depuis des années maintenant et il a pas un pet de problème. Enfin voilà, c'est actuel que vous m'entendez. J'en suis excessivement contente. Donc voilà. Au niveau des micros, moi celui que j'ai, je le trouve très bien aussi. Le seul truc qu'il faut, c'est quoi qu'il arrive, si tu prends un micro, c'est que ton les endroits où tu enregistres, faut que ce soit dans une pièce fermée. Il faut pas que ce soit grand, c'est-à-dire que moi j'ai une grande salle derrière moi. Quand j'ai voulu enregistrer le premier Pingu cover, j'ai dû ramener le matelas de la chambre et le coller derrière moi. Donc j'avais l'air très con, mais le son était meilleur. Bah ouais, t'as pas d'écho comme ça. C'est ça. Il y avait moins cet effet de chanter dans les chiottes. Il faudrait que j'avance, tiens, sur mes... sur mes parodies là, enfin sur ma parodie. Je te l'avais montré, Dani, les paroles que j'ai écrites. Non, pas du tout. Le pire, c'est que j'ai vu que tu voulais faire ça, j'ai fait oh la plagieuse. Oh non, mais c'est même pas. Remake, hein. C'est même pas. C'est rien à voir avec toi. Attends, mon petit poulet, je vais te montrer, tu vas voir. Mais tu dis pas, hein. Tu dis pas. Attends. Ah non, je. Tu regardes juste. Voilà, tu regardes juste et je vais t'écrire en privé sur quoi ce serait. Mais c'est pas fini, c'est pas dit que je le ferai. Hop. Donc la musique, c'est sur. Attends. Je vais me la mettre en fond. Tu vois ce que c'est? Ouais. Par contre, pour les paroles, ça sera un petit peu à voir est-ce que je tente le diable ou pas, quoi. Ça balance. Je crois que Dani aime bien les amis. Je crois. Ça, Dani, tu t'en remets? C'est beau, hein? C'est beau, oui. T'aimes bien? Sérieux, t'aimes bien? Ah, franchement, ça peut rendre un truc génial, hein. Ça... Hashtag balance ton porc, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est pas balance ton porc dans ce cas-là, c'est... Ah non, mais c'est... C'est beau, hein. J'aime bien. Mais il y en a, tu vois, que c'est tourné sur la... Il y a des choses que c'est tourné sur la blague, tu vois, et d'autres où c'est pas du tout de la blague, tu vois. Mmh. Et ce qui... maintenant, dans la chanson, ce qu'il y a, c'est que tu le captes, en fait. Mais bon, voilà, j'ai pas trop parce que je vais trop en dire, sinon, voilà, vous verrez en temps et en heure si je le fais ou pas. Et... Mais voilà, c'est quand même bien avancé, il faut juste que, voilà, que je termine. Il y a un nom que j'ai en tête et que je vois ressortir, c'est beau, hein. Tu me le dis par écrit pour voir lequel c'est. Bah non, il y en a plusieurs qui ressortent, hein, mais... Ah oui, j'avais oublié celui-là. C'est pas celui-là que je pensais. Mais vraiment, mais ah non, mais de quoi les pauvres, ils ont... Mais on va perdre les abonnés, là. Mais de quoi vous parlez? En gros, la parodie que j'ai écrite, je vais pas plus en dire, c'est pour parler un petit peu des petits travers. Enfin, pas des travers, mais des... Des choses qui concernent YouTube, voilà. Des choses qui m'amusent, des choses que je trouve ridicules, des choses que je trouve
que c'est un petit peu de l'arnaque. Voilà. Voilà. Je vais pas en dire plus. Mais j'ai pas du tout de fouet étoilé, j'ai pas apporté un fouet étoilé à Ken, tu déconnes quoi. Ito, comme il vient de troller Ayushi. C'est pas ça que je veux faire, voilà, c'était ça. Donc, cherche un tuyau de slime pour les meilleurs slime rouges dans les profondes cavernes de lave, la mine locale. Mais le PO ça me tente absolument pas. Ah oui, tiens, est-ce que je peux peut-être avoir de la marrante ici? Graines de fairy, graines d'artichaut, sucre blé, riz, engrais de base, engrais rapide, frisson rapide, papier peint. Ah oui, tiens, le catalogue, c'est quoi? Une action limitée au papier peint et au sol sans quitter le coffre de votre maison. 30 000? Oh. Voilà, ça c'est bon ça. Donc maintenant je sais que pour 200 000, je crois que je peux avoir le truc chez. Le truc de meuble, ça je vais voir, je crois que c'est 200 000. Voilà, hop. Ah mais ils vont tous au centre communautaire maintenant, hein, les petits PNJ, ils sont tout contents. Ils ont leur centre communautaire là. Oh, il y a Emily qui y va. J'ai mis un commentaire sur toute ta dernière vidéo de Sims, je l'ai tweeté, c'est assez rigolé. Ok, ok sorcière. Donc là je vais juste m'assurer pour... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh, cinématique. Qu'est-ce qu'il a Willy? Pourquoi tu regardes ça Willy? Et je dis... Dépressif. Un petit peu, ouais, sûrement. D'ailleurs, dans le jeu, t'as un personnage qui tente de se suicider à un moment. Ah, ça... d'accord. Ouais, ouais, non, je te dis. Ça donne envie. Les graphismes sont super mignons, mais t'as des... parfois ils traitent de sujets assez. Voilà. C'est vraiment étrange, je ne comprends pas vraiment comment ce rocher a pu disparaître. Ce ruisseau coule des profondeurs de la montagne. Oh, oui, je me rappelle de ce qu'on va voir maintenant là. Oh, c'est trop bien. Et tu as vu ce sentiment dans l'eau? Oui, c'est du minerai de qualité. L'écoulement de l'eau doit faire sortir de la montagne. Ouais, oh, trop bien. Trop bien. Tu sais ce que ça signifie, non? Ça signifie que nous pouvons commencer à chercher du minerai. Oh, excusez-moi. Tiens, j'ai un autre tamis dans mon sac à dos. Prends-le si tu veux. Et donc, nous allons pouvoir commencer à prospecter, les amis. Si tu vois du minerai luisant dans l'eau, utilise ce tamis et tu vois ce que tu arrives à trouver. Ok. Oh, yeah, on a le tamis, c'est trop bien. La rue est alors complètement ça. Vous avez reçu le tamis en cuivre. Yeah. Est-ce que Lynn... Ah ouais, donc j'allais voir si elle... Combien c'était encore? Salut. Améliorer la maison. Non. Ok, bah voilà, on a amélioré la cave. Et ici, qu'est-ce qu'on peut acheter? Donc, le truc. Catalogue de fourniture. Donc, 200 000 gold. Il y a le truc de fourniture. Bah écoutez, on va économiser pour ça. Comme ça, on pourra avoir autant de trucs qu'on veut. On a déjà 41 000. Il y a moyen, moi je dis. Il y a moyen. On va vendre masse trucs. Est-ce qu'il a Linus? J'ai envie de faire un peu. Ah oui, tiens. J'ai envie de voir un petit peu aussi. J'ai envie de me tester à la prospection. Des petits trucs brillants. J'ai pas l'impression. Non, je vois pas.
J'en vois absolument pas. Maintenant, je pense, les amis, que pour la mine du crâne, je pense qu'on sert d'avancer en hiver pour ça. Parce que bon, en hiver, il y aura déjà plus les champs à faire, il y aura plus les animaux à faire. Donc il y aura déjà ça en moins. Est-ce que Linus, il est chez lui? Il est pas chez lui, Linus. Ça ne fonctionne pas, c'est lui. Je viens de découvrir un truc. C'est beau. Quoi? Je viens de découvrir qu'en appuyant sur la touche Alt sur OBS, on pouvait modifier la taille exacte des trucs et pas faire juste en fonction d'agrandir ou pas agrandir. On peut aussi rétrécir en largeur et en hauteur. Ah, mais il y a plein de choses que tu peux faire ça comme ça. Il y a plein de choses que tu fais ça comme ça. Dans les logiciels de montage, images aussi, tu sais le faire. Ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner juste un morceau de mon écran et comme ça je vais pouvoir faire un live sur un jeu Facebook à la con. C'est parfait. Oh, c'est beau. Oh, pas là, le jeu à la con, les gars, ça vous dit qu'on switch de jeu? J'ai envie de switcher de jeu, de jouer au petit jeu à la con auquel on a joué hier. Ceux qui étaient là voient peut-être de quoi je veux parler. Est-ce que je peux redonner le cheval alors pour le coup? Non, tant pis. J'ai envie de jouer au petit jeu à la con auquel j'ai joué hier. Du coup, j'ai la chanson en tête, c'est merveilleux. Ah oui, c'est le cas que je t'ai dit. Ah ouais, ça reste en tête, hein. Ah ouais, mais elle est horrible. Enfin, elle n'est pas horrible, mais oui, ça reste en tête, ouais. Oh, j'ai tous les papiers peints gratos. Alors ça, c'est trop trop bien. Oh, c'est trop bien, tous les papiers peints. Oh, celui-là est trop beau. Je prends. Ensuite. Attendez, hop. Celui-là, je peux le mettre où? Celui-là, j'aimerais bien le mettre... Oh, c'est trop cool. Oh, j'aime trop. Oh, on va refaire un peu de déco, les amis. Oh ouais, un petit peu de déco. Donc, la cuisine. J'ai vu un truc qui me plaisait bien, là, avec des petits trucs roses, là. Bon, j'avoue, c'est ultra girly, mais... Oh, Sef. C'est ma cuisine, après tout, hein. C'est ma cuisine. Ouais, hop, je vais prendre ça. De toute façon, c'est gratos, donc qu'est-ce qu'on s'en fout. Je vais prendre ça. Grand, bizarrement, je prends que du rose, tiens, c'est bizarre. Je ne comprends pas, c'est vraiment trop bizarre. Ah voilà, hop, ça. Oh, le bleu, il est mignon, le bleu comme ça. Ah, oh, je peux même faire des trucs revêtements de sol. Oh, celui-là, j'aime bien, celui-là. Celui-là, peut-être. On va déjà essayer comme ça. Le revêtement de sol. On a déjà mis ça, en fait, je me rends compte. Oh oui, c'est trop mignon, c'est trop cute. C'est trop, trop cute. Oh, j'aime bien. Dans la chambre ici. Hop. Ah oui, c'est joli. Voilà. Et on va rechercher le même que celui-là, mais pour le mettre là. Ça sera minimum un petit peu uni. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis trop contente d'avoir ça, d'avoir débloqué ce machin-là. Yeah, yeah, merci pour le follow. Et coucou Ella. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Il y a aussi Lola qui nous a rejoint tout à l'heure, qui a follow, merci beaucoup. Voilà. Hop. Donc je vais mettre ça, je pense, ici, voilà.
Voilà. Et ouais, bon, le reste, on va ranger ça là-dedans. Écoutez. Hop. De se mettre sur un mur. Qu'est-ce que je tente de faire? Voilà. Oh, je suis grave contente. Bon, je vais prendre les autres trucs. Prendre des sols maintenant. Voilà. J'aimais beaucoup celui que j'ai mis dans la chambre. Hop. Il y a pas de petites moquettes roses là que je peux mettre. Bah non, peut-être pas de la moquette rose, non. Trop de roses, tulle rose. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Il y a des petites zones ici un peu bizarres, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aime quand même bien. On va laisser ça comme ça. Coup d'essai sur du mariage, j'aime bien vivre ma vie à la ferme. Oh, bisous, c'est trop mignon. Donc les gars, ça vous dit qu'on se fasse un petit peu... Enfin, que je joue... Si ça vous dérange, si je joue un petit peu au jeu que j'ai fait hier, j'ai envie de jouer à ça. Pour terminer le live, je pense. Hop. J'ai passé ça, hop, et voilà, hop là. Allez, go, 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 oui, pourquoi pas. Ok, donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc c'est un petit jeu qui est sur Android, qui s'appelle Esclave du Travail. Go servirait, ouais, voilà, boss. Qui s'appelle Esclave du Travail. Qui est un jeu gratuit, c'est un petit jeu vraiment à la con, vraiment, voilà, que vous pouvez télécharger sur votre tablette, sur votre PC si vous avez un émulateur. Hop. Voilà. Mettre... Live Android, voilà.